On est en 1938 et ce bled, c'est Bourkassa Urbangui. Ah non, c'est pas grand, Bourkassa. À l'entrée du village, il y a un écriteau sur lequel il est marqué 1275 HA. 1275 habitants, autant d'habitants que d'âmes. Mais là-dessus, mon collègue Chavasson n'est pas tout à fait d'accord. Eh ben, les 1275, c'est en comptant les nègres. Et les nègres, ils ont pas d'âmes. Voilà. Sur ces 1275, il y en a 1270 qui sont, comme tout le monde, des salopards, des crapules, des macros et même quelques assassins. Regarde, je fais éclater la tête. Mais c'est rien à côté des cinq autres. D'abord, il y a Huguette. C'est ma femme. Celle-là, elle m'aime d'une drôle de façon. Ah non, écoute pas ici. Bah, là-bas, t'as pas voulu non plus. Bah, ni ici, ni là-bas. Bah, où alors? Bah, nulle part. Et puis, il y a Nono, c'est son frère. Il y en a qui disent qu'il se ressemble pas tellement. Mais bon sang de moi, c'est ma chemise en cellulaire qu'il a sur le dos. Et en loque, par-dessus le marché. En loque, c'est vite dit. Puis, il y a Anne. C'est la nouvelle institutrice. C'est la seule qui a compris ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. C'est pas la première fois, un type comme ça, faut l'arrêter. Il y a Rose. Rose, c'est ma petite amie. Elle est jolie comme un cœur. C'est lui qui m'a appris l'impolitesse. Moi, j'étais plutôt bien élevée avant de le rencontrer, hein, ce cochon de putassé de malheur. Et puis enfin, il y a moi. Lucien Cordier. Je suis le chef de la police de Bourkassa. Touche pas mon fusil. T'as plus besoin de ton fusil. J'ai mon permis de chasse. T'as plus besoin de ton permis de chasse non plus. Et si je viens traîner mes grolles par ici, comme tu dis, c'est parce que c'est le chemin pour aller voir ta femme. Et on va pas tarder à se mettre au lit tous les deux. Et elle va me donner à moi ce qu'elle t'a jamais donné, pauvre con. Bouge pas !